Malamu kolanda manaka na biso sur Congo Live Television toko descripte lelo elongo makambo mazoleka na kati ya République démocratique du Congo na balandi nyonso ya Congo Live Television trubi buye elamu pe mbote na baye nyonso bakei kolanda beto na ngonga yai na République démocratique du Congo mbote na bato les spectateurs nyonso ya Congo Live Television ba fandi na diaspora ba kei kolanda beto na ngonga yai tulobi moyo pe boye elamu na mokolo mwalelo tozo yamba ndeko na biso Moïse Hangi azali muzalendo analyste indépendant citoyen congolais ndeko Moïse boye elamu pe mbote mbote ndeko David mbote balandi ya Congo Live Television très cher congolais très cher compatriote. Nous sommes encore contents d'être avec vous pour ce nouveau numéro afin de vous mettre au parfait de l'actualité en République démocratique du Congo, l'actualité sécuritaire et politique. Je suis le vôtre Moïse Hangi, jeune Muzalendo et jeune aussi analyste des questions sécuritaire. David, merci pour l'invitation. Mokolo malelo tulobi matondo mingi pe kondima invitation na biso. On commence ici avec cette grande nouvelle au nord de la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Quelques jours après, qu'on ait tué plus de 100 personnes dans la ville de Beni, là on parlait de Grand Nord ou bien à Beni. On parlait ici de l'arrivée des commandants des opérations militaires de Sokola 1, le général Brino Mandefou est arrivé à Biakato, là on est au Grand Nord sur place. L'armée a lancé des patrouilles pédestres diurnes pour dissuader et neutraliser les ADF dans cette région. Cela intervient quelques jours après les tueries de près de 100 civils dans la zone. Le commandant des opérations Sokola 1, Rino Mandefou, arrive à Biakato. Monsieur Moïse, comment vous, personnellement, vous qualifiez cette arrivée de commandant Sokola 1? Au-delà du fait que nous continuons à adresser nos condoléances les plus attristées aux compatriotes de Beni qui ont encore succombé de leurs blessures des suites de ces attaques terroristes commises par les ADF, nous encourageons et sommes un peu réjouis de l'arrivée effectivement du général Brino pour effectivement venir maîtriser la situation à Beni. Nous osons croire que désormais il va en tout cas assurer la sécurité de nos populations dans cette partie de la province. Il va en tout cas travailler sur la collaboration civilo-militaire qui reste en tout cas le principal gage du retour de la paix à Beni. Vous savez, c'est une zone qui est aujourd'hui victime des attaques et des tueries terroristes qui sont perpétrées par les ADF. Conséquence, c'est que c'est des compatriotes qui en perdent le lourd prix, mais la principale cause, c'est en fait cette absence de la collaboration entre les civils et les services de sécurité. Aujourd'hui, c'est difficile à Beni d'identifier qui est ADF, qui ne l'est pas. Et moi, j'estime que désormais, le général va, en tout cas, avec ses troupes, travailler sur cet aspect-là pour que désormais, l'on parvienne à se rassurer que l'on a un renseignement à la hauteur. On sait qui est qui n'est pas qui, façon de faire en sorte que désormais, ces ennemis de la paix ne puissent plus commettre ce genre de crimes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le gouvernement congolais a délaissé la population de Beni? Absolument pas. Le gouvernement congolais continue à déployer plusieurs efforts pour que l'autorité de l'État soit rétablie dans toute la partie est de la République, notamment Beni, Masisi, Rutshuru, Nyiragongo et consorts. Mais je dirais que les résultats escomptés n'est pas encore atteint. Dire que le gouvernement ne fait rien, c'est quand même lourd. Je ne saurais pas le dire personnellement. Mais je pense aussi que je suis de ceux-là qui pensent que nous sommes en train, en tout cas, de traverser une situation très particulière qui nécessite l'implication aussi déterminante des autorités nationales et provinciales. Depuis 2014, l'insécurité dans la ville de Beni, l'insécurité au nord de la province du Nord Kivu
Là, on parlait même de loups-garous ou des armées non très identifiées. On parlait ici des De force aveugles, négative. dont on dit, d'où aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui, Ah. on ne sait pas qui réellement opère derrière les aveugles. Chacun attire des profits, d'intérêts, de profils. C'est l'autre, c'est ce qu'il veut parler et on ne sait pas réellement qui est derrière le ZADEF. D'autres font savoir qu'auparavant, les ZADEF ne tuaient pas. Mais aujourd'hui, ils commencent à tuer. Quel est ce système qui a fait que les ZADEF commencent à tuer les gens à ce jour? Mon cher, depuis Qu'est-ce qui a fait? 2014, les ADF massacrent. Hein. Moi, je suis, en tout cas, je vais vous Mais dire avant ici, 2014, cela n'était pas entendu à peine. effectivement, là, ils n'étaient pas trop actifs à Beni, mais depuis 2014, c'est des massacres, des crimes qui sont enregistrés à Beni, qui sont derrière ces actes. Je crois que, vous le savez, les ADF, c'est un mouvement. Effectivement, d'origine ougandaise, ça veut dire que les autorités ougandaises n'y sont pour rien. Je vous disais tantôt que lorsque vous observez la façon dont ces gens essaient un peu de commettre ces crimes, on a horreur aux yeux. Alors, d'abord, retenez que c'est un mouvement d'origine ougandaise, qui est aussi appuyé par les judaïstes qui sont presque partout à travers le monde. Donc, le réseau des ADF, il est vraiment étendu sur toutes les sur l'ensemble du continent africain. Ils sont en mèche avec ceux qui commettent des crimes en Somalie, en Afrique du Sud, au Sud-Soudan et consorts. C'est tout un grand réseau. Mais ce qu'il nous faut en tant que RDC, en tant que des Congolais, c'est évidemment de faire en sorte que nous puissions barrer la route à leur plan. C'est des gens que j'appellerais même des inhumains et qui, effectivement, sont en train de semer terreur et désolation dans cette partie de la République. Nous croyons que désormais le gouvernement aussi est sensible face à ces calvaires et que ça ne va plus se répéter comme nous l'avions vu. C'est quand même terrible. Les événements qui ont prévalu à Bénéville, à Béni Territoire la semaine dernière. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Monsieur Moïse Hangi, analyste indépendant, citoyen congolais, acteur de la société civile Muzalendo et fils de Kivu, on parle ici de l'abandon des M23 qui auraient abandonné leur base logistique. Ils ont abandonné cela après de multiples frappes de FRDC. Cette vidéo, son authentification, on ne sait pas. Est-ce vrai ou c'est faux? Les M23 ont été frappés ou abandonnés à cette base, comme on est en train de l'observer dans cette vidéo. Ah, alors, c'est en fait quelque chose qu'il faut aussi dire, hein, avec, je vais dire, qu'il faut dénoncer à haute voix. Les M23, de leur part, sont aux abois présentement. C'est déjà, je dirais même, qu'ils veulent, autant que les ADF sont en train de nous mettre à mal dans les grands noms, les M23 aussi, ici, à Masisi, à Rutshuru, à Nyiragongo, ils veulent aussi nous mettre mal à l'aise. Mais ils sont, je dirais, aux abois parce que vous savez que présentement, sur toutes les lignes de front, la situation est redevenue calme, bien que c'est un calme précaire. Nos militaires se comportent très bien, nos Oisalènes aussi de même. On ne peut pas s'inquiéter quant à la suite de la situation avec au moins la prouesse et la détermination qui caractérise nos hommes sur le terrain. Les conséquences, elles sont néfastes et elles sont aussi connues de tout le monde. Parlons alors des fronts diplomatiques. Où en sommes-nous aujourd'hui? Mon cher, le front diplomatique, je dirais, il a accouché d'une souris. Je l'ai dit en tant qu'un analyste des questions sécuritaires, sans pour autant effectivement vexer quiconque. Mais je veux en tout cas ici, à haute voix, dire que j'estime que tous les processus entrepris par les autorités congolaises, que ce soit à Nairobi, à Luanda, à Bujumbura et ailleurs, n'ont pas donné des résultats. Preuve. Vous remarquez qu'aujourd'hui, on n'en parle plus. Le président de la République lui-même, il a été très ferme dans sa récente déclaration. Le président Tshisekedi,
Il a dit que aussi longtemps que les Rwandais ne veulent toujours pas retirer ces hommes sur le territoire congolais, ces éléments, il n'y aura plus la suite. Donc, le gouvernement a même menacé, effectivement, de se désengager dans toutes ces démarches qui ont été, effectivement, amorcées par les Nations Unies et les différents facilitateurs. Je parle ici du président Lorenzo de l'Angola, du président Évariste Ndayishimiye de la République burundaise, et même d'autres au cadre de l'ONU. Nous remarquons, comme en tout cas tout analyste sérieux, qu'il n'y a plus rien à espérer de ce côté-là, encore que l'on croyait que le président Tshisekedi va devoir effectuer un tête-à-tête avec Kagame, même Kagame je dirais, a non seulement désobéi à ses engagements, le président Tshisekedi a refusé de ne plus se rencontrer avec Kagame pour dire que, en tout cas, de ce côté-là, il n'y a rien à... On ne peut rien attendre de ces fronts-là. Il faut plutôt qu'on continue à lancer les opérations militaires sur les lignes de front. Il faut compter sur le front militaire. C'est en tout cas celui-là qui peut en tout cas nous donner une lueur d'espoir, messieurs les journalistes. Gouvernement souminois qui a été investi aujourd'hui, il faut dire aujourd'hui parce qu'hier, ce plénière a La commencé depuis la une plénière. plénière qui Ouais, a cette plénière plutôt, été aussi très mouvementée en fait. depuis hier, cela a pris fin vers 2 à 3 heures aujourd'hui, de ce mercredi. Donc, C'était normal, mon cher, c'est une affaire de la on République. parle ici. Alors, déjà, on commence avec cette plénière. On a vu la mobilisation. On a vu que des hommes n'ont pas dormi. On a vu qu'il y a des gens qui ont accepté de ne pas dormir C'était un pour très vivre grand que rendez-vous. ce gouvernement soit investi. Est-ce que c'est la même énergie qu'on utilise aujourd'hui pour le rétablissement de la paix à l'est du pays? Ça, c'est un. Deux, pour le changement de la situation de vie des Congolais. Mon cher, moi j'ai apprécié en tout cas la façon au travers laquelle cette plénière a été tenue, les interventions de nos honorables députés nationaux. Un rapport, effectivement, leur appréciation quant à ce qui concerne la nouvelle équipe gouvernementale. Je suis tenté de croire que si l'on essaie un peu, en tout cas, de foncer avec cet élan, avec cette lancée, il y a de quoi espérer. Je vais ici rappeler qu'un député national, c'est quand même pas n'importe qui. Il a la capacité, il a les prérogatives constitutionnelles de contrôler le gouvernement, de représenter la population et de sanctionner des ministres. Ça veut dire que quand on est député national, on a même cette capacité d'intenter une action parlementaire vis-à-vis d'un ministre du gouvernement. Et si des faits probants, si des éléments aussi pertinents sont réunis, c'est possible que l'on puisse effectivement engager une motion de défiance ou de censure contre un ministre. Même la première ministre, elle est redevable devant le Parlement. Ça veut dire que s'il y a des choses qui ne valent pas, nos députés n'hésiteront vraiment pas de l'inviter pour qu'elle réponde devant, effectivement, c'est les représentants de la population. Comme moi, personnellement, j'ai apprécié cette plénière. C'était du wow. J'ai aussi aimé le fait que y a en fait toute une théorie, je vais dire, très bien travaillée, hein, des axes aussi très importants qui ont été repris dans le quinquennat, dans les programmes souminois, notamment la pacification de l'Est du pays. Donc, ils ont en tout cas insisté sur le fait que l'équipe, la nouvelle équipe, est engagée à restaurer la paix. C'est du discours, évidemment. Voyons voir si sur terrain, ils vont devoir réaliser ce qu'ils ont dit. Ils ont aussi parlé du relèvement du social du peuple congolais. C'est vraiment une priorité aujourd'hui pour notre pays, compte tenu de la vie chère que nos compatriotes traversent, de partout à travers la République. À Kinshasa, c'est grave. L'inflation du taux de dollar, ça veut dire l'économie est vraiment, je dirais, en baisse.
L'économie est en dégringolade partout à travers les pays. Nous sommes un peu réjouis par le fait que c'est un axe qui a aussi été repris dans les gouvernements, dans les programmes du gouvernement. Ils ont aussi parlé des infrastructures. C'est important parce que aujourd'hui, notre pays, avec toute sa superficie, reste non connecté. Si du moins on peut faire en sorte qu'il y ait des infrastructures routières, aéroportuaires et maritimes, et qu'on sort, que nous ayons, allais-je dire, des chemins de fer, ça pourra en tout cas nous réjouir. La Première ministre a aussi parlé, effectivement, de l'administration publique. Vous savez que nous faisons face aujourd'hui à un phénomène qui ne réjouit pas vraiment plus qu'un Congolais, c'est le train de vie des institutions. Nous espérons que ce gouvernement va essayer un peu d'y travailler et faire en sorte que désormais la fourchette budgétaire, la grande partie de la fourchette budgétaire, soit orientée aux besoins du peuple congolais que d'être consommée juste dans les simples institutions de la République. Il faut qu'on réduise sensiblement les trains de vie des institutions, en commençant par la présidence, le parlement, et jusque même au plus bas niveau. Avant de parler de ce six piliers du gouvernement souminois, parlons-en. Ici, nous avions vu beaucoup souvenirs à nos faits, presque de même. On parlait, on promit les peuples congolais de travailler. Aujourd'hui, qu'est-ce qui motiverait les peuples Ce congolais qui est sûr, à faire on est au confiance Congo, à ce on est gouvernement? expert en discours. Ouais. Nous avons des hommes politiques et des acteurs politiques qui sont vraiment expérimentés en ça. Ils sont très éloquents, mais rares sont ceux qui agissent ou qui font des actions sur le terrain. C'est ce que nous attendons en fait. Moi personnellement, je l'ai lu en intégralité. J'avoue, c'est un travail qui est salutaire. C'est quelque chose qui a été travaillé avec concentration par une élite aussi, pas n'importe laquelle. Mais ce qu'il faut encore attendre, les résultats sur le terrain. Parce qu'on ne peut pas se contenter de la littérature et des Français. Après, qui au finish, ne vont pas impacter la vie des Congolais. On va chaque fois évaluer ces programmes. C'est pour ça que le Parlement est là. C'est pour ça que nos honorables députés et nationaux ont été élus. Ils sont là pour contrôler l'action du gouvernement. Ils sont là pour apprécier effectivement le travail de tous les ministres. Nous croyons en tout cas qu'il ne faut pas faire preuve de la légèreté et de la complaisance dans le déroulement ou du moins dans les travaux qu'ils seront en train de faire au profit du peuple congolais. On sera en train de finir les six piliers du gouvernement souminois. C'est créer La plus création d'emplois, d'emplois hein, et protéger les pouvoirs d'achat de la des ménage, ménages. hein. Protéger les territoires nationaux et sécuriser les personnes et leurs biens. Autrement dit, la pacification. Une chose qui est aujourd'hui déplorée par plusieurs Ben ouais, Congolais parce que sont qu'une à partie du protéger. territoire national est sous contrôle de l'ennemi, mon cher. Il faut que l'on recouvre la totale souveraineté de l'intégrité de notre pays. Aujourd'hui, c'est plus qu'important que le gouvernement active toutes les batteries afin de déloger ces hors-la-loi, ces ennemis de la paix qui contrôlent une partie du territoire national. Le Congo est un et restera indivisible. Nous devons en tout cas tout faire pour que ces ennemis de la paix soient boutés hors d'état de nuire. Aménager le territoire national pour une connectivité Ça, maximale. c'est Ça, c'est important, mon réunir le cher. territoire Ouais. entre eux. Il Ça, c'est un faut. grand défi, monsieur Mais le président. effectivement, Ça, mon c'est un grand cher, nous challenge. n'avons pas des infrastructures routières, même des routes de dessertes agricoles. Vous savez, on a un potentiel agricole au Congo. On a en tout cas une potentialité immense de ce côté-là, mais parfois on est en difficulté même de faire parvenir les produits de première nécessité qui sont effectivement très visibles dans les milieux ruraux pour les apporter effectivement dans les milieux urbains. Ça veut dire, c'est important que nous puissions avoir des routes, des dessertes agricoles qui vont permettre à ce que les bananes plantain qui est produit dans les fins fonds des massifs, si bien qu'aujourd'hui prise en otage par le rebelle du M23, c'est que l'huile qui est produite à Walikale,
je vais dire, le cacao qui est produit au fin fond de Beni arrive jusqu'à Goma. Le pomme de terre qu'on produit à Goma arrive à Kinshasa. Vous savez, nos amis de Kinshasa, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin des haricots qui est produit ici, du soja qui est produit ici. Est-ce qu'il faut que ce soit juste à travers la voie aérienne que nos pommes de terre arrivent à Kinshasa? Très cher Kinoa, je sais que vous aimez ça. Nous en avons en abondance. Les pommes de terre ici à Goma, c'est beaucoup. Mais comment vous faire parvenir cela? Les haricots, les soja et consorts, et ça peut vous servir, ça peut vous aider. Mais les voies d'approvisionnement causent problème. Garantir l'accès aux services sociaux et bas de base, Très important. renforcer les capacités des services publics, gérer durablement et de manière responsable l'écosystème face au changement Très climatique. Voilà important. donc Un élément que je ici. voudrais évoquer par rapport à la prise en charge des soins de santé de base. Le Oui. président de la République a amorcé une initiative très importante, celle liée effectivement à la maternité gratuite et même à la santé. C'est un programme costaud. Autant que vous savez aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement, ça se porte à merveille en dépit de quelques difficultés. Autant que cette taxe aussi doit être prise en compte par le nouveau gouvernement. Et ça sera en train effectivement d'apporter un plus au chef de l'État, un actif effectivement par rapport à son programme quinquennal. Merci mon frère Moïse, c'est la fin de cette émission, dames, messieurs. Nous vous disons merci, c'était Hangi Moïse, notre invité du jour. Nous vous disons merci et excellente journée à vous. Merci à vous David, merci à tout le monde. Je voudrais en tout cas en quelques secondes préciser ou rappeler que la situation sécuritaire ici dans la province du Nord Kivu, elle reste toujours volatile. Les rebelles n'ont pas encore effectivement cessé de mettre à mal nos vaillants militaires FARDC, bien que jusqu'à présent, Kanyabayonga reste sous le contrôle des FARDC. Nos vaillants militaires Ouazalendo dans les territoires de Masisi sont déterminés à déloger les rebelles au niveau de la cité minière de Rubaya et même dans les territoires de Nyiragongo. Les Ouazalendo se mobilisent en tout cas pour barrer la route au plan machiavélique de l'ennemi. En rapport à la question politique, j'ai dit ici que personnellement, je salue le programme présenté par la première ministre Judith Suminwa à l'Assemblée nationale. La population attend maintenant des actions concrètes. La population attend l'impact réel sur le terrain. Nous exhortons aussi les députés nationaux et sénateurs à faire preuve en tout cas de loyauté et de la bravoure en assurant les rôles qui est les leurs, contrôler le gouvernement, représenter valablement la population et faire en sorte que y ait le relèvement social de la vie que traversent les Congolais de partout à travers les pays parce qu'aujourd'hui nous souffrons énormément. Je crois aussi que c'est important que tous ceux qui nous suivent apportent de l'assistance aux déplacés de guerre de partout ici en ville de Goma en attendant que la paix revienne. Vous pouvez faire un geste qui va donner le sourire à deux, trois, quatre familles. Ça nous fera du plaisir. Merci de nous joindre au plus 243 99 25 42 946. Je réitère le même numéro à retrouver sur WhatsApp 99 25 42 946. Inch'Allah.